C'est clair que j'ai une histoire avec ce club et c'est un club de mon cœur. Il m'a permis de faire beaucoup de choses. Il m'a permis de jouer au football en première division. J'ai été entraîneur adjoint, entraîneur et puis directeur sportif. Donc non, c'est clair que j'aime beaucoup ce club et je suis très content de pouvoir retrouver cette équipe. Ici aussi les couleurs, les lumières sont plus claires maintenant. C'est plus foncé, je pense. Hein. Ah, c'est plus quand c'est plus. Ça a changé quand même. Hein. Ça Christophe, quand j'étais joueur, c'est Georges Dickens qui l'a fait ça. Logé blanc. Ouais, mais... Oui, oui, il y a pas mal de choses qui ont évolué ou qui se sont structurées. Il y a pas mal. Oui, il y a des choses qui ont changé. En bien. Le club progresse, le club fait des pas en avant et ça c'est bien parce que c'est ce qu'il faut pour que la culture et que le club puisse grandir. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Tu vas bien? Ouais, c'est vrai, ça va. Tranquille. Ok. Bah, ça m'a permis de faire plusieurs choses. Déjà, ça m'a permis de me reposer puisque depuis 2001, en tant que joueur et puis assistant et puis qu'entraîneur, j'étais actif dans le monde du foot. Donc voilà, je ne me suis jamais reposé de 3 semaines à mois. Et puis voilà, ça m'a permis de un petit peu de voir un petit peu là où je pouvais progresser, là où je pouvais les choses bien, là où d'observer d'autres entraîneurs belges ou de grands entraîneurs pour pouvoir essayer de voilà, d'avoir des idées et être prêt quand ce sera le moment. Bah écoutez, ça s'est bien passé, on a fait connaissance et puis on est tout de suite aller sur le terrain, on a discuté. J'ai vu un groupe travailleur, investi, un groupe qui vit bien. Voilà, des bonnes choses ont été faites avant, donc c'est très important et on va essayer de continuer à bien vivre et à cultiver cet esprit de famille, cet esprit de grinta et de guerrier que représente Courtrai et ce groupe. Je pense que c'est un groupe équilibré, un groupe qui a envie de faire de belles choses ensemble. Et voilà, donc ça c'est la base de tout. En plus, il y a pas mal de talents, il y a quelques jeunes joueurs et donc voilà, on va travailler dur et on va faire le maximum pour le club.